Et salut, c'est Seb. On est de retour sur Gran Turismo Sport, donc pour la manche 25 de la Nations Cup sur Autopolis International. Et on est avec la petite Nissan, petite qui est assez compliquée à prendre en main. Le combo, de toute façon, est assez compliqué puisque pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est assez tortueux comme et sinueux comme tracé. Il y a beaucoup d'appui au niveau des virages et cette caisse-là permet pas trop d'erreurs. Elle se balade pas mal du cul. Les freinages sont assez compliqués, donc vous voyez, j'ai réussi quand même à faire le troisième temps. Et pour être totalement transparent avec vous, c'est ma troisième tentative. La première, je l'ai faite complètement à l'aveugle et en fait, j'avais pas du tout de notion de stratégie. Et la deuxième, j'ai fait de la merde. Voilà, tout simplement, moi comme ça, c'est dit. Donc voilà, bah, je vous en reparlerai au niveau de la course. On se retrouve directement sur la grille de départ. Voilà, on se retrouve, vous avez vu, j'ai mis la petite webcam pour voir le volant. Alors le shifter ici, il n'est pas encore en place puisque j'ai pas toujours pas reçu mon load cell au niveau du frein, donc j'ai toujours pas d'embrayage. Donc c'est pas encore effectif. Donc on est parti pour 15 tours, on va essayer de pas se planter. Comme j'ai pu faire précédemment. Putain, tu dois mettre plus proche de l'herbe toi. Donc, pas d'embrayage, ça va pour l'instant, tant que j'ai pas de... dirais-je, le départ arrêté. Regardez-moi lui, regardez-moi lui. Oh là 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 là. Vas-y, resserre-moi toi, vas-y, 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 c'est bien. Ah les cassos, sérieux. Alors, je sais que c'est du drift, mais les gars, vous faites quoi là? Non mais... Ah, un départ comme ça, j'en ai... Je crois que j'en ai pas encore vu. Oh, ma bagnole, je suis même pas sûr de pas être endommagée ou quoi. C'est complètement n'importe quoi. Donc la condition de course, c'est... il faut au moins chausser les hard, les durs. Donc, moi, je démarre en médium. Parce que... première tentative que j'avais faite, c'était en essayant les hard du début à la fin. Et clairement, hop, je reverrai sur mon écran, ça n'a pas été payant du tout. Donc, on va essayer de se remettre dans la course parce que ce départ, mais honteux, chaotique, c'est arrivé dans tous les sens. C'est marrant parce qu'il y a des combos qui sont plus propices à ça, j'ai l'impression. Interlagos, ça le fait pas mal. Allez, on est mieux ressorti. J'espère que ça va jouer le jeu là-bas. Je prends large parce que je me méfie. Hein. Ah putain, et puis du coup je me sors. Je fais des erreurs parce que je veux éviter les autres cups. C'est quand même assez dingue. Il faut que je fasse mieux que mon dernier essai. C'est-à-dire 8e, je crois. Alors, on va essayer de pas se tamponner avec le français. Ce serait pas mal pour une Coupe des Nations. Qu'il y a derrière. Peut nous pas sur un freinage, c'est parce que là, tu te fais démonter. Alors, je protège un peu.
est un peu large. Bon, on va regarder un petit peu derrière, c'est un 0,6 devant 1,6. Allez. Ah bah, tu vas mieux passer. Devant, ça s'est pas trop éloigné malgré le fait que c'était la guerre quoi. Non mais je reviens pas. Il faut se remettre hein, de ta course après ça parce que clairement. C'est pas simple. On se reprend et ça va le faire. Allez, gros freinage ici. Toujours du mal avec cette pédale qui est certes souple, mais qui permet pas vraiment d'avoir de la précision. Donc. On est bien jusque là. Oh là-bas, c'est sorti loin. Ça coupe. Ça va peut-être même piter. En tout cas là c'est complètement hors trage. Ouais. Ah non, il pite même pas. Je sais pas ce qu'il fait. La vie va arrêter là. Allez. C'est bon ça. On va essayer d'économiser un petit peu les pneus. Oh ça sort là, ça sort large. C'est bon pour nous ça. Et bonne trage pour l'instant. Oh, il est loin, oh, il est loin. On va ressortir mieux que lui, je pense. Pas vraiment. Je me suis un peu loupé là. De gaz et à fond. On élargit bien. Mais il a mieux passé que moi donc. Faut que j'aille au moins jusqu'au 8 ou 9e tour, je pense, avec ces pneus là. Traction control, c'est bon maintenant. Je pense que je maîtrise plus ou moins. Je suis passé à 1. Oui, encore une fois large. Il est à l'agonie. Il faudrait pas qu'il me fasse perdre du temps. On va élargir parce que. Sinon, je vais encore le tamponner. Je vais me prendre une pénalité.
Allez, là, il est parti. Putain, il fait des trajets de merde, mais à chaque fois, il revient bien, je comprends pas. Non, là, il s'en sortira pas, là. C'était pas possible. Bon, pour l'instant, c'est le podium, mais j'avais dit ça sur ma dernière course. J'étais également premier ou deuxième, et j'ai fait une connerie sur un freinage. Je me suis pris l'herbe et j'ai complètement gâché mes chances, donc on va rester prudent sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait. Et on avisera après. En tout cas derrière ça va, je mets de la distance. De se concentrer devant, pas faire d'erreur. Comme là. Ça va, c'est pas trop pénalisant, mais tu perds vite quelques dixièmes. Ça peut vite être dommage pour la fin. Allez, le petit coup de frein qui va bien pour la replacer. Allez, on mord un petit peu, c'est pas bien grave. Donc je check quand même derrière ce qui se passe. Deux secondes 7. On va regarder un petit peu tout ça. Voir où j'en suis. Encore 2-3 tours maximum. Voilà, déjà là il commence à tirer la gueule sur ce virage là clairement. Le premier pit qui fait mi-course lui. Je pense qu'on peut encore en tirer parti encore 2 tours. Derrière, je les laisse assez loin. Il y a quelques virages forcément où ça part, ça passe un peu moins bien, mais là pour l'instant, je tiens les trajectoires plus ou moins, donc. On va rester comme ça. Là ici pareil, je m'écarte pas trop. Clairement je joue pas la gagne, je joue le podium. Parce que tant que t'as pas fait ton arrêt au pit, tu sais pas du tout où t'en es. En termes de stratégie, peut-être que derrière ils sont moins rapides, mais en fait ils ont chaussé les hardes. Donc voilà, c'est difficile de se placer, de savoir un peu où on en est. Allez, tant qu'on en est là. On va parler un petit peu de ce que je vois sur YouTube et sur Facebook en termes de pénalité sur un tourismo alors que le P1 pit, nous on essaiera après. Beaucoup de monde se plaint des pénalités, je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est parce que vous allez pas voir ailleurs les gars.
Ailleurs, soit c'est pas mieux, soit il n'y en a pas. Donc, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord. Des fois, c'est un petit peu rageant. Là même, j'ai été étonné sur le premier tour avec le carnage qu'il y a eu de ne pas me prendre moi personnellement de pénalité. Alors, certes, j'étais pas forcément en tort, mais le fait est que quand c'est la cohue comme ça, je pense qu'à mon avis, l'IA, l'intelligence artificielle et l'algorithme qui gère les pénalités, à mon avis, il était perdu. Là, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Du coup, il s'est dit, bon, je vais tous les laisser sans pénalité, parce que je crois qu'il n'y a personne qui en a eu. Du coup, au moins comme ça, c'était pas plus mal. Puis je vois beaucoup de monde aussi pester contre le fait de perdre des points, les RFP, tout ça. Alors les gars, vous prenez pas la tête, hein. Vous roulez et puis c'est tout après. De toute façon, vous allez pas faire carrière dans GT Sport. Donc, vous embêtez pas. Amusez-vous. Après, des cons, c'est sûr, il y en a. Ça, c'est évident. Mais peu importe votre niveau, je pense, peu importe tout ça, des cons, il y en aura tout le temps, partout. Peu importe la plateforme, la simu, enfin bref, le principal, c'est de s'amuser. Alors, c'est sûr, ça paraît simple, hein, quand tu te fais démonter par quelqu'un, c'est un petit peu chiant, mais ça reste un jeu. Pas le système si con que ça. Après, je suis pas focalisé comme sur iRacing où je l'étais à l'époque, focalisé sur les licences, sur le classement et tout ça. Au final, ça te bouffe le plaisir de jeu. Et c'est plus ou moins ce qu'on retrouve sur GT Sport pour certains, donc. Une course, vous la refaites ou j'en sais rien, mais prenez pas la tête avec ça. Il y a d'autres choses. Tu refais ta course le lendemain ou je sais pas, et puis ça passe. Donc, Ah, sinon, on est où là de cette course? Allez, reste dans la trage, sinon tu vas salir ton truc. Alors, hein, toujours premier. Je pense que là, on va piter. Là, il faut que je me méfie. J'ai pité à la course précédente et je connaissais pas l'entrée descendre. Alors je savais où elle était, mais je savais pas comment elle était fichue. C'était pas joli. Non, c'était pas joli du tout. Je vais sortir quoi, troisième? Il est là rapide derrière. Allez, c'est le pit. Allez, on y va. Troisième. Allez, dépêchez-vous, les gars. Troisième. Devant, c'est à 6 secondes. Bah, c'est les deux qui ont pité avant moi et qui sont de nouveau devant. Pas si loin que ça, mais j'étais plus rapide que moi, donc au moins qu'ils s'accrochent à deux, je vais pas trop compter sur le fait de pouvoir les prendre ou pas. On va surtout se méfier des trajectoires, des points de freinage, parce que là on est en hard, c'est plus la même affaire. Même s'ils sont neufs, le grip est totalement différent.
7 secondes devant. Je pense que c'est pas possible. Il va rester 4 tours. Après, restons concentrés. Une erreur, un accrochage. Dans une droite ce que ça donne. Ouais, plus de 7 secondes. Enfin, ça stabilise, donc on va regarder. Derrière pareil, 6 secondes 5. Oh, je l'avais dit, ça s'est sorti. Ça s'est sorti. Les pneus, ils doivent être morts. Oui, bah oui, grand. Oui. Je suis à l'intérieur. Il le voit que je suis à l'intérieur. Il le voit, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Il le voit. J'arrive plus vite. Les gars, ils peuvent pas... Il reste 4 tours, ils peuvent pas essayer de se battre à la régulière. Hein. Sinon, moi c'est pareil, je vais bloquer les trages, je vais tout bloquer les points de freinage et puis on. Tu vas jamais y arriver. Hein. Ah là, je l'ai complètement perdu et c'est lui qui se prend une petite pénalité. Donc je vais me calmer. On parlait de pénalité, c'est peut-être injuste là, sur le coup, j'étais en travers. Après il me colle tellement, il est tellement agressif. Allez, faut que t'en profites Seb. Parce que ça à mon avis il va pas aimer. Que lui. Hein. Ah, c'est pas une course parfaite. Hein. Moins qu'on puisse dire. Je suis vraiment pas au mieux. Pourtant, elle est prenable cette deuxième place. Hein. Tu fais que des erreurs. Se méfier derrière, ça va revenir aussi. Allez, il va avoir sa pénalité, mais il est déjà bien loin. Je vais même pas revenir à sa hauteur, je pense. Allez, on va encore redresser son écran. Bon, ça dit quoi? Il a fait une erreur, ils pourront refaire une. Derrière, ça va, j'ai pas à m'inquiéter avec derrière.
dur, trop dur. Oh, c'est un cut ça. Je reviens un petit peu, une seconde deux, il va me rester deux tours. Ouais, j'ai voulu freiner un petit peu plus tard et voilà. Erreur de débutant, ce putain d'écran qui bouge là. Derrière ça revient. Dire que si je suis sur le podium, c'est déjà pas mal. Et derrière, c'est à 2 secondes. Donc allez, une pénalité. Premier s'est envolé. Allez, dernier tour. Si je fais pas d'erreur, ça va. Ce sera un petit podium, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Alors ce sera ma course si ça reste en l'état. La meilleure, ouais, je pense, au vu du résultat et des événements, malgré le départ très très chaotique. On va pas se le cacher. C'est vrai que je suis pas trop fan de refaire les courses plusieurs fois, mais là, j'ai fait une place, la deuxième fois, j'ai voulu faire mieux, j'ai fait pire, donc forcément après. Tu dis il y a moyen, surtout si tu sens que voilà tu peux faire mieux, tu te dis allez on va retenter une fois. En fait refaire ça t'enlève un peu l'envie en fait. En tout cas moi je fonctionne plus ou moins comme ça. Derrière il s'est tué donc c'est bon. On va rester comme ça. Troisième. Je suis toujours en B, donc on avance tout doucement.
Allez, dernière accélération. Ça va nous mettre pas mal de points, ça. C'est pas mal. Voilà. Alors, les autres Français sont 10e, 14e. Ils sont encore en course, donc c'est pas encore terminé. Pas évident hein, ce circuit, la bagnole non plus, donc. Bon, c'est bon, après avoir attendu que tout se termine, que les autres arrivent, on finit quand même à la troisième place. On marque que 79 points. Des fois, c'est un petit peu bizarre. Tu finis plus loin, tu marques plus de points. Alors, ça dépend, je pense, des points des autres participants à la course. Bref, c'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, moi, je vous dis à une prochaine. Salut!